Alors j'aurais donc aimé avoir votre sentiment sur la soirée qui vient de se dérouler. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on parlait de la mesure, mais en fait, de façon beaucoup plus large, on a parlé aussi de l'effet que pouvait avoir la mesure sur la gestion de la diversité. On était plus là-dessus d'ailleurs que sur la mesure à proprement parler, parce qu'on est toujours un petit peu gêné en termes de mesure, sur ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, et puis sur l'utilité de la mesure, et à quel moment elle doit arriver dans la politique diversité d'une entreprise ou d'un organisme. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on est plutôt en train de développer des outils pour des gens qui sont déjà des bons élèves. Donc, moi, c'est un peu ma constatation aujourd'hui. Et on manque un peu d'outils d'entraînement. Et là, elle était un outil d'entraînement. Elle ne l'est plus. Voilà. Et on espère que la suite gardera cet outil d'entraînement. La mesure pouvait peut-être répondre à cet outil d'entraînement, mais là où je rejoins aussi Samuel Thomas, c'est que ça doit être manié avec quand même beaucoup de précautions. Et donc du coup, finalement, il faut peut-être la réserver aux bons élèves. C'est un peu la question. Mais bon, c'était intéressant aussi de se poser la question du lien entre l'entreprise et ce qui se passe avant. De voir que justement, il y a quand même des choses qui se passent au niveau des grandes écoles. Et si eux bougent, on peut espérer que l'ensemble du terrain de l'éducation bouge aussi. Alors il faut qu'ils bougent peut-être un peu plus vite aussi. Pour que les entreprises qui sont déjà engagées arrivent à recruter les personnes dont elles ont besoin, et puis surtout pour pousser les autres aussi à se poser la question et à être devant une évidence. Parce que je pense qu'à partir du moment où on est devant une évidence, on se pose à la limite plus la question et c'est plus le problème. Il faudrait qu'on arrive à ce point-là. Merci beaucoup. Je trouve ça important.